Donc, si vous voulez du bon pour vous, vous n'avez pas peur de leur dire des trucs que vous situez au niveau de leur conscience politique immédiate, qui est souvent très très faible. Le fait même que les gens pensent qu'ils sont de gauche ou de droite, ou que souvent ce sont des imbéciles. Il y a plus de gauche ou de droite depuis longtemps, ça ne veut rien dire. Alors, je vais vous parler de l'idée de moi, je comprends que je vais parce que c'est une droite. Enfin, moi, c'est quand même une bonne chose de faire pour le moment, c'est quand même un peu plus de gauche. Moi, c'est une chose de je veux dire clairement, je ne suis pas de gauche. Je pense que la vérité du politique ne passe pas par les urnes. Je pense que ce qu'on appelle la démocratie, qui s'appelle dans mon livre la démocratie de marché et d'opinion, c'est quand on réfléchit bien à comment ça a été mis en place. Et pourquoi le pouvoir du plus riche. La démocratie, quand vous regardez au bout ce que c'est le pouvoir du plus riche, strictement. Par des mensonges qui sont ce qu'on appelle la démocratie représentative, qui est le contraire de la démocratie, puisque c'est quelqu'un que vous élisez pour vous représenter, et que dès qu'il est élu, fait le contraire de ce que vous, ce serait bon pour vous, de ce que vous lui avez demandé. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque les Français sont contre l'Union européenne au niveau, de, par exemple, du référendum, et alors qu'ils sont contre les députés, en fait. Et une opinion fait l'élection. Hein. Donc en fait, si on fait raccourci, la démocratie, c'est le pouvoir du plus riche. Voilà, c'est clair. C'est pour ça que je ne suis pas démocrate. J'ai très peu voté dans ma vie. Que je sois d'ailleurs au Parti communiste ou au Front national, je suis toujours dans une logique insurrectionnelle. Et la politique politicienne, j'en ai fait. Je vous garantis, vous avez qu'à en faire. Inscrivez-vous dans un parti et commencez à militer. Si vous êtes un peu intelligent, vous n'êtes pas arriviste et vous ne cherchez pas une place d'apparatchik, au bout de 6 mois, vous partez. Je pense que un citoyen, quand il est formé, ne vote pas trop mal. Et vous verrez que tout le travail aujourd'hui de l'éducation médiatico-politico institutionnelle est de vous aboutir en termes de culture générale, et ce qu'on appelle même de culture des humanités. Tous les sujets que je traite moi, c'est pour vous montrer que tout ce qu'on vous a appris à l'école est faux en général. Tout. Enfin, j'ai démontré que la colonisation était un système qui venait de la gauche, dont le champion était Jules Ferry, et que ce qu'on ne vous dit jamais, et que c'était un projet piloté par les Lumières, et que les Lumières, Marion Sigaud fait le travail en ce moment, c'est le libéralisme à la française. C'est une idéologie de droite. C'est-à-dire que le roi de France, Louis XVI, était à gauche des encyclopédistes, en réalité, sur sa vision du monde. C'est les encyclopédistes français et tous les héros
de la Révolution qu'on nous montre comme des héros de gauche, et qui font toutes les années les boulevards de France, hein, Condorcet, Diderot, et puis après les révolutionnaires, Lafayette, Necker, ce sont que des types de droite, ce sont des libéraux, ce sont les précurseurs de Margaret Thatcher, vous voyez. Ça, tout ça, vous ne le savez pas, enfin, sauf ceux qui ont fait l'effort. C'est-à-dire que toute la culture... Il nous a mal dit à Rousseau et Voltaire. Il n'y a pas Rousseau posé en politique que Rousseau et Voltaire. Rousseau sur la gauche et Voltaire, ça amène à Chavez, et Voltaire, ça amène à Voltaire. En France, on nous dit Rousseau et Voltaire, c'est l'humanisme français, c'est l'humanisme. Toute votre culture est une culture qui vous amène à ne rien comprendre aux catégories politiques nouvelles. Donc, moi, le travail que je fais modestement, c'est de ramener cette culture-là. Je ne comprends pas, hein. Je vais au texte, je peux lire les vrais textes de Voltaire, les vrais textes de Condorcet, mais je vais faire mieux. La formule de la formule politique en Danton, Danton était un trait intégral à la Révolution, c'était un petit Sarkozy, vous voyez. Il a touché le pognon, il avait que voler de l'argent. Et le seul mec correct de la Révolution française, c'est Robespierre, Saint-Just, le deuxième. Bon, on dit que c'est le seul de la Révolution française, et on remarque que Robespierre n'a pas une rue à Paris. Alors que c'est le seul mec, même si on l'a dit, qui a fait la Révolution pour les promesses révolutionnaires, pour le peuple. Il a une ruelle à Montreuil. Vous voyez, et toutes les avenues, vous voyez, ça, sont des trous évolués à Montreuil. Et toutes la République française, en fait, on en a un qui est fait par la Révolution. La Révolution, c'est le grand, il n'y a pas de temps, etc. Donc, quel travail de l'éducation qu'on va faire, que quand il y a un travail, c'est le plus important de la République, que je pense qu'il y a un travail. On va nous faire faire un film sur l'affaire Dreyfus par Polanski, où ça sera bien. Vous voyez, la critique de la domination communautaire est toujours une stigmatisation, un préjugé sur des critères raciaux. Voilà, l'affaire Dreyfus, qui était déjà à l'époque une manipulation d'un cas sans intérêt pour disqualifier l'armée où s'était réfugiée l'aristocratie française et rendre incritiquable la communauté dominante qui l'était déjà largement à l'époque, à travers un espèce de BHL de l'époque qui voulait se faire mousser le gros doudou qui était Zola, avec son J'accuse, hein, c'est du BHL avant l'heure, et puis derrière un journal déjà dans la main de qui on sait, qui était l'Aurore, je crois, avec derrière Clémenceau, c'est-à-dire le couplage de l'intellectuel et de l'homme politique, avec derrière la manipulation de l'opinion publique par les médias. C'est le premier cas de figure de logique de domination par tout ce système qu'on appelle démocratique, que j'ai démontré dans mon bouquin parce que j'appelle la démocratie de marché et d'opinion. L'argent qui manipule l'opinion par les médias de masse, avec les figures qu'on manipule, c'est l'homme politique stipendié et l'intellectuel. C'est d'ailleurs des catégories qui émergent au moment de l'affaire Dreyfus et qu'ils ont mises en place et validées par l'affaire Dreyfus. Et comme je le dis, pour des discussions que j'ai eues avec savoir si Dreyfus était coupable ou innocent, il était normal de le soupçonner puisqu'il était franco-alsacien juif et son frère avait opté, je crois, pour la nationalité allemande. Il était du cabinet où il y avait eu les fuites et il avait des dettes de jeu et des maîtresses. Donc il était parfaitement logique de le soupçonner. Et en plus, quand on lui a demandé de faire l'épreuve de graphologie pour vérifier si c'était lui, il a argué de douleur aux mains ou de froid pour ne pas se soumettre au test. Donc il était totalement normal dans un premier temps de le soupçonner. Après, moi je le dis, il était forcément innocent, parce que s'il avait été coupable, il n'y aurait pas eu d'affaire Dreyfus. C'est-à-dire la communauté n'aurait pas misé sur lui pour culpabiliser à mort l'antisémite. Voilà. Et je dis, s'il avait été juif et coupable, on n'aurait jamais entendu parler, parce que des espions juifs double nationaux qui travaillent pour l'Allemagne, il y en a eu forcément dans ce contexte de tension entre 70 et 14-18, c'est une évidence, hein. Et donc s'il avait été juif et coupable, on n'en aurait jamais entendu parler. Et s'il avait été innocent mais breton, on n'en aurait jamais entendu parler non plus. Il fallait qu'il soit innocent et juif pour que la communauté organisée monte toute cette mayonnaise qui a profité à Clémenceau, à Zola, qui a sans doute été d'ailleurs assassiné après à cause de ça, et qui nuisait à un des derniers bastons de résistance de cette communauté qui tendait à prendre de plus en plus de pouvoir en France, qui était l'armée où s'était réfugiée l'aristocratie française. Hein, voilà.
Donc c'est ça la vraie explication. Donc l'affaire Dreyfus expliquée comme ça est très intéressante, mais n'a rien à voir avec le catéchisme que va nous faire subir à son corps défendant en faisant un très mauvais film de propagande, ce pauvre Polanski, à qui la mafia qui l'a sauvé lui demande effectivement de rembourser pour son sauvetage tribal.